comment allez-vous défendre vos idées, vos projets au sein de cette union? Écoutez, il y a plusieurs composantes qui sont dans ce rassemblement, qui sont dans cette union. Être dans la majorité présidentielle ou soutenir la majorité présidentielle ne doivent pas occulter le vrai problème que nous rencontrons ici. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. La population nous observe, la jeunesse nous observe, nous écoute. Allons répondre à ces attentes d'abord par le logement, par l'emploi, par la formation. Et ensuite, nous verrons le grand, dans un deuxième temps, le grand le projet qui concerne le développement de la Réunion. Et les atouts, il y en a, j'en suis persuadé et j'en suis convaincu.